Très attendue par les téléspectateurs, la quatrième saison des Bracelets Rouges débarque ce lundi 11 septembre, sur TF1, avec de nouveaux personnages. Dans ce casting tout neuf, on retrouve notamment Cali Boisson, qui s'apprête à faire l'unanimité dans le rôle d'Emma. Après trois saisons pendant lesquelles les téléspectateurs de TF1 se sont passionnés pour le quotidien d'adolescents dans la série médicale Les Bracelets Rouges, une nouvelle saison s'apprête à gracier nos écrans, dès ce lundi 11 septembre. Pour cette nouvelle ère qui s'annonce riche en intrigues, les scénaristes ont fait confiance à des acteurs novices, notamment Esther Blanc, jeune lycéenne de 17 ans qui jouera le rôle de la très studieuse Zoé. La jeune adolescente, admise pour un bras cassé avant qu'on ne lui diagnostique un mal beaucoup plus grave, partagera sa chambre avec Emma, le personnage joué par Cali Boisson. Née à Dijon, la jeune Cali Boisson a été élevée, selon ses propres mots, dans un hameau de 16 habitants et 48 vaches, avant de déménager à Paris avec sa mère. Moi qui étais si bien dans ma campagne, je suis passé d'un bourg de 16 habitants à une ville de 4 millions. Inutile de dire que ça m'a fait un petit choc, a-t-elle confié à Télé Loisirs. Une enfance marquée notamment par le harcèlement scolaire dont elle a été victime. J'ai subi pas mal de harcèlement en primaire et au collège parce que j'étais différente, un peu garçon manqué. J'ai été élevé sans télé, je ne connaissais pas les marques. Mais je savais traire une vache. Donc j'ai vraiment détesté l'école, a-t-elle expliqué. Cali Boisson malade sur le tournage des Bracelets Rouges. La jeune comédienne, qui a décidé de combattre sa timidité en prenant des cours de théâtre, est rapidement tombée amoureuse des planches. Brillante dans le rôle d'Emma, en attente d'une greffe de rein dans les Bracelets Rouges, Cali Boisson a révélé avoir elle aussi souffert des reins en plein tournage. Ce personnage est tellement proche de moi que durant le tournage à Arcachon, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. J'ai ressenti une douleur si vive, si intenable, que le tournage a dû être arrêté. Je suis parti à l'hôpital et bonne nouvelle, c'est là où nous tournions, a-t-elle révélé. Puis d'ajouter, à la fin, on m'a annoncé que je souffrais d'une infection des reins. Comme Emma. Comme quoi un personnage peut nous prendre bien plus qu'aux tripes. Cali Boisson, qui compte bien se faire un nom sur grand écran, semble très bien partie puisqu'elle a révélé dans les colonnes de Télé Loisirs avoir décroché un rôle dans le prochain film de Gilles Lelouch, Amour ouf. Thank you.